Hello, hello tout le monde, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à découvrir la nouvelle vidéo du jour et surtout le nouveau jeu auquel on va jouer. C'est un jeu extrêmement bizarre les amis. Déjà de 1, je vais rejoindre une secte. Déjà à partir de là, on part quand même sur un bail bizarre. Mais de 2, ce n'est pas n'importe quelle secte les amis. Ça va être une secte un petit peu particulière. Je ne vais pas vous spoil, vous verrez bien le moment venu. Ça risque d'être complètement barré comme jeu. Je pense que ça va être assez déjanté, assez what the fuck. Et clairement c'est ce qu'on aime, une bonne touche d'humour. Histoire d'être heureux et de bonne humeur aujourd'hui. C'est parfait, n'est-ce pas? Bref, on est parti les amis, on balance l'intro et on va aller découvrir tout ça. Oh, trop stylé, on a en fait le menu, mais le menu est jouable. Ok, bah on va aller dans game, bien évidemment, on va prendre cette petite porte et nous allons voir un petit peu ce qui se passe. Ok, what? D'accord, ça commence bien, je vous l'avais dit que ça allait être what the fuck. On arrive avec un bus qui s'envole, très clairement, on est en plein milieu de la rue, il n'y a aucun dialogue. Oh putain, what? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit, gros? Ils viennent de faire péter des grenades ou bien c'est comment? Ok, il y a une maison là-bas. C'est vraiment complètement barré, frère. J'arrive vraiment comme ça sur la route, un putain de bus s'envole, j'entends des explosions et on est en plein milieu de la nuit, c'est nimp. Bon, il y a une maison là-bas, hein, c'est sûrement là que se trouve la fameuse secte en question, n'est-ce pas? Ah, c'est fermé. Très bien. Peut-être sonner du coup. En plus, il y a une magnifique main découpée là, qui nous montre qu'on doit peut-être sonner ici. Non? Tiens. Que dois-je faire? Où dois-je aller? Je ne sais pas. On va faire le tour de la propriété, hein. Il y a bien un moment, on va trouver un truc qui pourra nous aider, là. Plein milieu d'une forêt, là. C'est quoi ce délire? Ah, c'est là, les amis. La confraternity, la fraternité des toasts. Du coup, la secte des toasts. Voilà, je vous avais dit que ça allait être une secte un petit peu bizarre. On va suivre les flèches, du coup, hein. Ok, là, il y a du pain par terre. Très bien. C'est que la main pour m'indiquer le chemin. Ah, salut. Salut, les gars. Tranquille, qu'est-ce que vous faites ici? Vous priez une statue toast. Ok, bon, bah, pas de soucis. Ça fait penser un peu à Bob l'éponge, la vue de dos comme ça, là, au niveau des jambes et des chaussures. On a clairement Bob. Bob, c'est toi? Tu t'es reconverti du coup en toast, Bob le toast? Ah, mais c'est le bus ça. Mais ils viennent du bus à mon avis. Ils sont tous dans le bus. Kill Hall, tuer tous les humains. Quoi? Pas une très bonne idée ça les gars. Parce que ça tombe, je suis moi-même un humain ici. Du coup, je sais pas si je l'ai bien fait de venir. It's time to take revenge. Il est temps de prendre notre revanche. Ah ouais, d'accord. Ils ont une revanche à prendre les toasts. À mon avis, ils ont pas apprécié tous les petits déj comme ça où ils ont fini charcutés par un couteau. Ah, I love programming. D'accord. On a un toast programmeur ici. On aura peut-être même carrément le toast youtubeur ou c'est moi qui vais devenir le toast youtubeur. Peut-être pour amuser la galerie, bien évidemment, pour amuser la secte. Attends, là, je suis en train réellement de m'enfoncer dans la forêt, là. Je sais pas, mais je suis un peu bloqué, là. Il fait très sombre, mais c'est pas possible. Oh, le trésor n'existe pas. Apparemment, le trésor avec un signe illuminati bizarre, là, serait pas loin de nous, je crois. Là, qu'on a une carte digne de Minecraft. Ouais, ok. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, là? Je suis un pirate cool. D'accord, on a trouvé le Luffy de la fraternité, enfin, de la secte. Très bien. Ah, il y a encore des tranches de pain ici. Mais ouais, mais je viens de là. Je suis perdu. Comme le pain. Le pain perdu, vu qu'on est en train de jouer à un jeu avec du pain. Allez. Ah mais j'avais pas vu. On peut monter ici. Ok. Ok, ok. Attends, attends. Parce que là, je risque de me casser la gueule. Ah, non, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé l'entrée. Ok, c'est une entrée un petit peu particulière. Salut, mon gars. Ah, c'est un toast SDF. $1 pour manger, je crois. Je peux pas lui donner. Il est pauvre. Ok, bon, bah désolé mon pote, je peux pas t'aider. Par contre, on a un roi là-bas, le roi des toasts. C'est parti les amis, est-ce que je vais pouvoir intégrer cette magnifique secte de toasts? Ou est-ce que je vais être refusé? On verra bien, on verra bien. Salut les gars, vous faites pas un peu avec vos lances, s'il vous plaît. Je viens en tant qu'ami, n'est-ce pas? Alors, le boss suprême apparemment. Salut, je suis le glorieux fondateur de cette magnifique confrérie. Je veux que tu répondes à une simple question. Est-ce que tu veux rejoindre la confrérie, oui ou non? Bah j'aimerais bien, ouais, mais je fais comment pour répondre là, du coup les gars? Ah, les réponses sont là, yes ou no? Bien évidemment que je vais rejoindre cette secte, c'est un petit peu tout l'intérêt du jeu, donc vas-y, let's go. Je dis oui, on rentre. Oh, bienvenue, trop stylé. Est-ce que je suis déjà un membre? Item, torchbook, ça fait un peu Minecraft la musique. Salut! Je suis du coup dans la ville des toasts. Incroyable, avec des voitures volantes. En fait, c'est ça le futur. Ou ce serait ça, le fameux multiverse? Peut-être. Oh, 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 j'ai rien fait, monsieur, l'agent. Ok, salut toi, follow the mass. Ouais, ok, je dois suivre la masse. Ok, on va aller là-bas alors. En parlant de masse, c'est moi qui suis complètement à la masse. C'est excellent, putain. Ok, là, il y aura le boss, c'est ça? Encore le big boss qui dira bienvenue dans la confrérie des toasts. Oh, non, on a un putain de portail gigantesque. Ok, c'est complètement barré ce jeu. Hein. Vraiment, je réalise vraiment pas quel genre de jeu je suis en train de jouer là. Je suis en train de jouer dans un putain de jeu avec des toasts qui forment une secte. J'emprunte des portails. Test the labyrinthe. Oh, putain, comme le film. Ne me dis pas qu'il va y avoir les mêmes créatures, sinon je vais vraiment pas sortir d'ici vivant. Ça, c'est moi qui vous le dis. Alors, j'ai toujours été bon en labyrinthe. On verra si du coup ça va encore une
nouvelle fois à être prouvé aujourd'hui, mais là, d'accord, très bien. Ouais, je crois que je suis une grosse merde au labyrinthe, hein, clairement, on peut se le dire, hein. Je crois que je suis une merde. Il est gigantesque ce labyrinthe, putain, les amis, il est gigantesque. Bon, bah là, je crois que j'en ai pour un petit moment, hein. Donc, on va cut jusqu'à ce que je trouve la sortie, parce que là, il est vraiment incroyablement grand, c'est un truc de fou. Oh, c'est bon, putain. Let's go. Go to the next test, c'est parti. Vous pensez pouvoir me piéger avec le. Oh, putain, le labyrinthe. Par contre, là, j'avoue qu'un petit parcours. Good, bad, ok. Un parcours, j'avoue, ça peut m'embêter un petit peu, parce que je me rappelle d'éventuels parcours sur Minecraft. Et j'ai. Voilà. Je faisais exactement ça. Je tombais littéralement comme un déchet. Ok, ok. Oh putain. Ça me fait peur un peu là. C'est pas les taux, les parcours de Roblox par contre. Parce que Roblox, ça me connaît les hobbies, tout ça, tu vois. Là, on est quand même sur un parcours d'une qualité et d'une difficulté surtout assez vénère. Ok. Ok. Toujours faire des incantations comme ça. En fait, c'est le boss des Tos qui m'a appris ça. C'est la langue des Tos en fait. Non, putain. Mais ouais, ils m'ont pas appris la bonne incantation aussi. Mais c'est pas possible. Je vais vraiment péter un cap sur ce jeu en fait. À la base, moi, je pensais m'amuser. Là, je vais rager, c'est sûr. Je vais rager comme un porc. Ok. Mais putain. Ok, les amis, j'ai une vengeance. Une revanche. Tu vois, il parlait de revanche tout à l'heure. Moi aussi. J'ai clairement une revanche à prendre. C'est bon, personne qui me touche là. Ok. Ok, man. Let's go. Non, putain, j'ai glissé. Il y avait du savon en dessous de mon pied, c'est sûr. Allez. Il est piégé. J'ai capté. Les enfoirés. Allez, c'est sûr. C'est ça, mais oui, c'est évident. Bonne d'enfoirasse, va. Pensez quand même pas m'avoir comme ça si facilement. On n'apprend pas un vieux singe à faire des singeries. Putain, je suis vraiment le singe le plus éclaté qu'il existe sur cette terre, frère. Ok. Je fais quoi maintenant? What? Qu'est-ce que je fais? Quoi? Je suis censé faire quoi là? Je comprends pas. Mais. Attendez, là. Il y a un délire, mon gars, que je comprends pas là, ici. Comme ça? Ah ouais, d'accord. Ok. Oh là, j'ai peur. Oh, mais mec, c'est quoi ce truc? Oh! Mais non, mais c'est toujours de plus en plus dur! Ok. Mais putain, mais c'est pas possible. Ah, est-ce que je suis presque à la fin ou pas? Oui. Oui, s'ils me mettent un piège, je te jure, je pète un câble. Il y a juste un trou ici. Il y a un trou. Un trou. Ok, j'ai passé le trou. C'est parfait. Il y a encore un autre trou. Let's go. Parfait, je me casse. Voilà, mettez-moi le labyrinthe que vous voulez. Le parcours que... Pourquoi c'est fermé? Go to the next test. Ben, je veux bien, frère, mais... Laisse-moi passer, non? Qu'est-ce qui se passe encore? Mon gars, je vais pas passer. Laisse-moi passer. Ah, mais il y a une flèche, en fait, ici, sur le sol. Ok, donc c'est bon? Ah, c'était un petit troll de leur part. Ok, de toute façon, ils font que troller dans ce jeu. On est où, ici? On est dans un débat? Ou bien c'est comment? Ah, mais c'est pas le labyrinthe qu'on a fait tout à l'heure? Attendez, ça. 100%. Mais ouais, c'est ça. C'est clairement le labyrinthe qu'on a. Putain, il est énorme. Escape. Ok, c'est parti, les amis. Let's go. Oh, c'est quoi ce son? Wow. Lumière ne me dit rien qui vaille. Ah, très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Train, attention. Vous pensez que je dois me faire écraser par le train? Alors, attends. Soit tu es mort, cause train. Ok, putain. J'avais tellement peur qu'il me fasse revenir au tout début. Mais du coup, je fais comment? Ah ouais, j'ai compris. Je dois me mettre sur le tico, en fait. Il me dit que le train, il passe. Ok, c'est ça le bail. C'est ça. Attends, mais peut-être que si je fais comme ça, genre, voilà, mais oui. Comme ça, c'est bon, en fait. Il n'y a pas de problème. Si je passe sur les côtés comme ça, je me ferai jamais avoir. Par contre, je vais éviter de toucher le liquide bizarre, là. Hop. Et je pense que je dois atteindre le bout du chemin, le bout du tunnel. Oh là. Ça fait peur quand même à chaque fois que ça passe, hein. Tac. Tac, hop, voilà, je me faufile tel un rat parmi toutes les caisses. Magnifique, là, je vais clairement pas me faire avoir par le train. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ok, bon, c'est très long par contre, hein. C'est vraiment très long le chemin. Ok, les amis, je suis à la fin, mais là, je prends aucun risque. Je dois aller à droite, j'attends juste que le train passe. Voilà, magnifique, et du coup, on peut passer par là et ouvrir cette porte, j'espère. Ok, c'est bon. Mine de rien, on avance, moi, je te le dis, la finalité de tout ça, c'est qu'on fera partie de cette putain de secte de Toast, mon pote. Eh ouais, je m'appelle pas Fritz si je deviens pas un Toast à la fin de cette vidéo. Enfin, je m'appellerai Toast, du coup. Et plus frites. Alors, tac, j'active. Voilà, magnifique, c'est un ascenseur. Hop. Est-ce que je vais pouvoir rejoindre du coup le big boss des Toasts là? Où est-ce que ça m'emmène là, cet ascenseur là? Je me le demande. Ah, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on a plus vu de Toasts, mine de rien. Ok, de nouveau des caisses, toujours des boîtes et des boîtes et des boîtes. Ah, là il y a une porte. Est-ce que c'est une bonne porte ou est-ce que c'est une fausse porte? C'est fermé. Ok, très bien. C'était une vraie porte, mais elle est fermée, donc je dois trouver la porte qui est ouverte, bien évidemment. J'en ai marre de ces caisses, moi frère. Ah là-bas, il y a une porte. Ok. Bam, 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 gauche, droite. Appelle-moi Mike Tyson tellement je suis bon en esquive. Wow, on arrive au-dessus de la ville là. Tiens, regardez, même les maisons, c'est des Toasts, quoi. Il y a vraiment des Toasts de partout, c'est n'importe quoi. Ok, alors c'est parti les amis. Là, il y a une porte. Exit, let's go. Encore des boîtes et des escaliers, Je préfère limite encore voir des Toasts que des boîtes, moi. Ah, ça c'est le train, ça. Ça, c'est clairement le train. Attends, si je vais au bout du train là-bas, est-ce qu'il n'y a pas une porte? Ah, voilà, je me fais passer pour une caisse, c'est ça. J'embarque les amis à l'aide de ce train et il va m'emmener, j'espère peut-être, vers mon admission. Voilà, je vais me faire coffrer par la police des Toasts, j'en sais rien. Là, je peux pas bouger, hein, vraiment. Là, on est vraiment en mode cinématique. C'est la plus belle cinématique que j'ai
j'ai pu voir sur un jeu vidéo. C'est totalement faux, hein. Je pense que ça vous le saviez, hein. C'est totalement faux. Ah ah, regardez-moi ça, il y a une double porte, magnifique. Et vu les petits étendards, j'ai l'impression que nous allons arriver dans un endroit important du jeu. Attention, ah c'est ça l'endroit important du jeu que j'imaginais. Ah bah j'ai fait une erreur là du coup. Attends, on va contourner ce gros truc là. Il doit y avoir une porte, quelque chose. Ah, regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est que ça? Tu es ici, online 5 à 7, offline, ok, don't press. C'est marrant parce que j'ai appuyé sur le bouton du coup. Qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas. Wow. What? Ok, je suis dans Tron, c'est ça? C'est quoi cet endroit bizarre là? Ah, il y a un toast là par contre. Il y a une porte surtout avec une énorme flèche pour m'indiquer que la porte se trouve là-bas. Je pense qu'on l'avait remarqué. Mais du coup, lui, est-ce qu'il a pas un truc d'intéressant à me dire? Salut, toi, t'es Jean-Michel Toast, c'est ça? You will die. Ah, je vais mourir en gros si je vais là-bas, je crois qu'il a dit. C'est super. Ça me donne grave pas envie du coup d'intégrer la secte là. Cela fait des heures et des heures que je suis en train de marcher. J'ai l'impression d'être dans le désert tellement c'est long. Ok, c'est bon. Parfait. Waouh. Test numéro 3. Ride... Quoi? Monte une licorne et sois heureux, vis heureux. Hein? C'est quoi vos merdes, les gars? Là, attends, là, ça fait pas rien du tout, là. Ça devient bizarre, votre truc, là. Il y a une radio. C'est quoi cette ambiance, par contre, là? J'ai rejoint la secte de Satan, c'est ça? C'est fini, les toasts rigolos et tout? Ah, moi, très bien. Moi, avec une tombe. Ce qui est cool dans ce jeu, c'est que je suis grave le bienvenu, quoi. C'est génial, waouh. Je suis tellement heureux d'être admis. On va continuer, hein. J'ai l'impression que plus je vais monter en haut et plus la mort se rapproche. Ah, moi, avec plein de tombes. Allez, de pire en pire. Let's go. J'adore monter un toast écrasé par les radios. Oh, c'est affreux le son, c'est affreux. Ok, ok. Free money. Putain, je sais que c'est un troll, je le sais. Vas-y, je le fais parce que je suis con. Voilà. Ça se fout de ma gueule. Non, mais j'ai l'habitude. De toute façon, ça se fout de ma gueule, ok, y a pas de soucis. Bon, y a une fin à ce truc. Oh là là. Oh là là. Lui, il est vivant, moi. Lui, il est vivant. Voyons le bon côté des choses. Il y a au moins un toast de vivant. Ok, c'est le toast SDF qu'on avait vu au début du jeu. Très bien. Ah, un mec qui danse sur ma tombe. Ça fait plaisir, ça, les gars, de voir que ma mort vous attriste. Franchement, je suis très heureux d'apprendre ça. Ah là 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 là. Un putain de cercle satanique avec un toast écrasé. Ah, un toast qui lévite dans les airs, au-dessus d'un cercle satanique, de mieux en mieux l'ambiance en tout cas. Et ici, ah, la sortie peut-être définitive de ce jeu de malheur. Putain de bâtard, il m'a eu. Oh, what? What? Bienvenue. Hein? C'est quoi cette merde, gros? C'est quoi cette merde, gros? What the fuck? Mais c'est quoi? Mais ils ont fumé, les gens qui ont créé ce jeu. C'est pas possible. C'est quoi ce jeu? On a un parcours train, là. Là, c'est le parcours train. Ils ont fusionné toutes les épreuves du jeu, mon gars, pour en faire une dernière épreuve. En fait, pas du tout. Non, c'est même pas une épreuve. J'avais juste qu'à, hop, et aller ici, appuyer sur E. Ah, oh, un autre étrange rêve. C'était un rêve depuis le début. Encore une autre journée stressante de travail, du coup. Il est temps de finir. Non, je suis sûr, il va se passer encore une dinguerie. C'est sûr et certain. Attends. Déjà, on travaille où, là, frère? On travaille, dans le néant ou bien c'est comment là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il y a un numéro là, bizarrement. 3, 4, 7, 6, 1, ok. Attends, ça se finit vraiment comme ça? Mais non. Une putain de lampe géante là au-dessus de moi là. Mais what? Il doit y avoir un autre truc bonus, une fin bonus. Ça peut pas se finir juste comme ça. À moins que l'endroit, en fait, juste j'avance. Ah non, 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 il y a un truc ici. Regarde, 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 c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? What? C'est un gun? Hein? Putain, il s'est tué parce qu'à mon avis, il trouvait ses journées et sa vie trop. Ok. Bah, ça finit vraiment de la pire manière possible. Le jeu était très original, étrange, mais ça manquait pas d'originalité. Du coup, si je peux vous donner un conseil, si vous voyez cette secte de toast, n'essayez pas de la rejoindre. Vraiment, c'est la mort assurée. De toute façon, ils m'avaient prévenu en plus de ça que j'allais mourir, et bah ils avaient raison. Je suis bel et bien mort. Le jeu s'est terminé ainsi. Ok. Bon, bah en tout cas, les amis, si vous avez kiffé cette vidéo et ce jeu, ma foi, assez loufoque, et bah n'hésitez pas à dégainer votre meilleur toast like, à commenter bien évidemment, à vous abonner à la chaîne, sinon vous allez aussi vous rejoindre la secte des toasts et vous allez mourir. Donc, vaudrait mieux s'abonner. Bref, activez la cloche aussi également et j'espère qu'on se retrouvera pour des jeux tout aussi cool, n'est-ce pas? Et pour kiffer à nouveau tous ensemble. Bref, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao, ciao. Quel jeu bizarre quand même, hein.